En tournée dans la province Logoué-Maritime, le vice-président du Centre des libéraux réformateurs a procédé à l'installation du coordonnateur communal de son bureau et des membres de la coordination provinciale. Cette vague d'installation marque la rentrée politique du CELER à Port-Gentil. La tâche est grande, mais accomplissable dans une ville où, certes, le terrain politique est glissant, mais prenable, pourvu que l'on se mette résolument au travail avec les moyens matériel et financier que cela nécessite, tout en conservant le contact permanent entre le directoire national et les structures de base pour la bonne marche de notre parti. Conscient de la charge et des enjeux qui sont les leurs, le provincial est revenu sur les ambitions de sa formation politique. Loin d'être de simples promesses, comme vous avez l'habitude d'entendre, c'est autour de nos projets économiques et sociaux que nous élaborerons tous ensemble, en tenant compte de vos préoccupations et de vos aspirations, que nous devons chercher à mobiliser les citoyens, c'est-à-dire à faire adhérer le plus grand nombre aux programmes politiques que nous défendons. Dans cet élan, les nouveaux promus ont été envoyés à l'exercice de leurs fonctions.